Ça, c'est un gros maigre. Ah ben là, ça va faire un truc de dingue. Ah oui, c'est une jolie pièce. 28 kilos. Oh ben là, on peut faire carrément une paire de bottes. Hein. Des cuissardes même. En fait, après, ça fait... C'est hyper joli. C'est un truc qui est complètement différent des autres poissons. Mais c'est vraiment une matière qui plaît bien. Tu fais bouillir la peau, tu fais quoi ah, avec... Non. Ah bon. Tout à froid. Sinon, d'accord. Tu fais de la soupe de poisson. Et voilà. Merci. À bientôt. À bientôt. Ça n'existait pas, la tannerie de peau de poisson. Et il y a beaucoup de poissons quand même sur le territoire. Donc c'est là où il y a l'atelier de peau marine, où je travaille sur les peaux, donc notamment sur la partie crue du poisson, avant d'en faire du cuir. Tout est une histoire de matière et de toucher dans le cuir. Puis alors le maigre, l'avantage, c'est que ça fait un cuir qui est naturellement souple. C'est peut-être la 3000e peau que je suis en train de travailler. Un vieil ébéniste m'avait dit qu'il laissait son bois dehors pour lui donner un coup de lune. La nuit dernière, c'était la pleine lune. Le cuir, comme ça se patine au soleil, ça se patine aussi à la lune. Alors je les ai laissés dehors, effectivement, elles sont devenues rousses. Je vais faire une patine avec du pigment métallifère argenté. C'est à la limite la partie que je préfère, c'est ça, les couleurs. Ce qui me plaît le plus, c'est de voir en fait le cuir, comment il va finir. Voilà, et quand il finit bien, en fait, c'est hyper important pour moi. Enfin, c'est là où je suis contente et ce métier prend tout son sens. Quand je rêve de demain, je sais pas, peut-être qu'on arrivera à valoriser en cuir toutes les peaux qui sont jetées en Aquitaine. Ça fera beaucoup de cuir. Hein.